Regardez. Ça c'est, regardez, ça c'est la distance de sécurité. Et puis après, si vous êtes usé, qu'est-ce qu'on fera? On fera comme les masques, on les jette par terre. Alors voilà, blouse blanche et madame fume. Eh ben bravo, bravo la santé. Ouais, hein, bah, ça vous savez, vous êtes un peu dans la contradiction, j'ai l'impression. Du blé pour les rentiers. La police, on va faire une petite prière pour la police, tous à genoux. Nous sommes l'église de la très sainte consommation, nous sommes venus en jet de Dubaï car nous avons appris qu'ici même à Lille, sur cette terre de gauchistes, avait lieu aujourd'hui un rassemblement en soutien aux soignants. Aux soignants. Quelle idée, on les a applaudis tous les soirs à 20h. Ils en veulent toujours plus, Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Avec nous, on tombe le masque parce qu'on est entre nous. Ouais. Là-bas c'est un peu dangereux, ils sont... De toute façon on respecte la distance. Oui, on respecte la distance. Les distances, enfin, tout à l'heure si jamais... Il y en a des énervés, il faudra pas trop les respecter, les distances, faudra, allez-y, hein. Faudra aller au contact quand même. C'est sûr. Ah, ça c'est la sainte parole. Je voulais vous dire qu'on était tout cœur avec vous. C'est merci monsieur. Voilà, vous êtes bien équipé, c'est bon, vérification. Et on en a besoin du soutien. Vous pouvez faire le tour des équipes. Nous, il y a des gens, ils veulent donner leur RTT aux soignants. Nous, on aimerait bien vous les donner. Voilà. Ah, les soignants en ont besoin aussi. C'est vous qui méritez les médailles. Aussi, Non, mais faut pas être fair play comme ça. Sinon, on en vient à se bagarrer pour un bout de pain. Mais qu'est-ce que vous avez? Pour quelques miettes. Vous êtes reculé pour un handicapé. Bah, enfin. Allez, il va falloir reprendre un peu de l'Amérique. Il y a une police socialiste. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? On va vous envoyer à Aubervilliers, vous savez, c'est pas grave. On en vient, je pense qu'on est formé. On y a passé quelques années là-bas. Ah, très bien, ça forme. Voilà. Bon, allez, en marche. En marche. Allez, et puis tout à l'heure, on s'amuse, on se fait plaisir, ça fait longtemps quand même. Au revoir, monsieur. Allez, au revoir. Ah, j'ai peur. Un mètre, peut-être deux mètres, regardez. Ça, c'est la distance de sécurité. Moi, vu de nez, je dirais qu'ils sont 12. Petite quinzaine, ça fait plaisir. Grosse quinzaine. On s'aperçoit quand même que les manifs sans les vieux, ouais. Bah, tout de suite, il y a beaucoup moins de monde. Hein. Les personnes âgées sont restées confinées, on les comprend. Vous êtes venus nous mettre au travail. Voilà, c'est ça. Le droit chemin. Ah non, c'est fini le confinement, faut travailler, faut consommer. Allez, on y va, on y va. Vous êtes des soignants, c'est ça? Et votre masque, ça vous dérange pas de mettre en danger tout le monde comme ça? Monsieur Castaner a dit manifestation, 1 mètre de distance, le masque. Qu'est-ce qu'on a là? On va être obligé d'appeler la police, madame. Vous êtes un danger public pour la France. Vous n'avez quand même pas l'impression de demander un petit peu beaucoup? La France, on vous applaudit tous les soirs à 20h. On vous a des médailles, c'est quand même pas mal. Les médailles, ça suffit pas. Vous n'avez pas de chocolat? Vous travaillez de nuit, c'est ça? Et vous voulez une prime? Alors que vous en avez déjà une? Il faut mieux aller aux recettes, vous voulez travailler dans les jours de croquettes pour chien. Vous voulez des croquettes pour chien à la place de la médaille? On peut s'arranger. Hein. Non. Éventuellement. On est habitué de traiter les gens comme des chiens. Et puis après, si vous êtes usé, qu'est-ce qu'on fera? On fera comme les masques, on les jette par terre. Et puis vous avez la vision. Et vous avez quand même pris beaucoup de plaisir, je trouve. Beaucoup de reconnaissance, les gens vous ont applaudi. Donc quand on a de la reconnaissance et du plaisir, qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle du loisir. Et est-ce que moi je suis payé quand je fais du jet ski? Bah non. Non, je ne suis pas payé. Quoique. Castaner, moi je fais une Castaner. Castaner prend pas de masque, moi je peux non plus. C'est quand même dangereux tous ces masques, moi je suis contre parce que ça pourrait permettre à des black blocs de se camoufler et ça pourrait nous empêcher de les reconnaître. Moi je ne sais pas, mais j'ai entendu des rumeurs comme quoi le coronavirus serait en fait d'origine humaine et aurait été créé par les black blocs pour permettre des manifestations masquées. On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On peut pas affirmer que c'est faux, mais on peut pas affirmer que c'est vrai non plus, donc on ne sait pas. Et là, on a déjà les anarchistes, les Black Blocs qui sont là. Et vraiment, ils cherchent en tête de cortège directement. Voilà. Heureusement, il y a quelqu'un avec un sweatshirt Coca-Cola au milieu des Black Blocs. Et ça fait plaisir. On est capitalistes. On est capitalistes.
Et on est en France en 2020 et on se laisse insulter comme ça. Et là on a la totale, on a la CGT, tout le monde est de retour, mais en plus on a les blouses blanches, et ça c'est catastrophique. Mais les soignants ils abusent quand même, ils ont pris la grosse tête, voilà, c'était un peu les stars du confinement. On les a applaudis tous les soirs à 20h, et ça ne leur suffit pas. Allez bosser, bande de feignasses! Retour à la normale! Voilà. On revient comme avant, et en mieux! Et on va foncer pour choper cette putain de croissance! Tous dans les magasins! Qu'est-ce qui est important là? La santé des gens ou la santé économique? Faut le dire, la santé économique! La santé économique! On est décomplexé! On est une France de droite et on en a marre des bobos gauchistes! Rentrez chez vous, bordel! Allez bosser, bande de feignasses! Eh ben nous aussi, on est en colère! Nous aussi, on est en colère! Nous aussi, on est en colère, nous les riches! Si, nous les riches, on aimerait bien gagner plus! Je rappelle que votre manifestation est manifestement illégale. Vous êtes plus trop rapprochés. Certains n'ont pas de masque. Madame, vous avez vu à votre âge. Ah mais moi, je pense que le corona va pas vous louper. Du fric pour les riches. Du fric pour les hospitaliers. Du fric. Mais il n'y a pas d'argent magique, madame. Mais vous trouvez où l'argent, madame? Il n'y a plus d'argent, madame. Du blé pour les rentiers. Du blé pour les rentiers. De l'argent, il y en a dans les poches du salariat. De l'argent, il y en a dans les poches du salariat. Voilà, Extinction Rebellion, la France Insoumise, la CNT, moi j'ai mal aux yeux quoi. Ça faisait 4 mois qu'on était tranquille, peinard, même si là c'est une auberge espagnole de lutte. Ils font tout là, tout ça. Chez eux. Alors voilà, Bouse Blanche et Madame Fume. Eh ben bravo la santé. Vous êtes un peu dans la contradiction, j'ai l'impression. Là vous êtes même pas dans les règles, normalement c'est un masque à mettre de distance. C'est illégal ce que vous faites. Alors on est manifesté. Allez, on valide. C'est ouvert, on valide, bordel. On a ouvert les magasins. Voilà, il faut écouter le président du MEDEF, Geoffroy Route-Bézieux, qui l'a dit à juste titre. Voilà, nous sommes déconfinés. Maintenant, c'est l'heure d'aller bosser, surtout d'aller consommer. Hein. Les plages étaient fermées, mais Euralil était bien ouvert. Le centre commercial lillois tant attendu. Voilà. Voilà, oh là, il y a même des masques jaunes fluo. Ah oh là là. Gilets jaunes, des masques gilets jaunes. Masques gilets jaunes. Oh là 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 là. Voilà, voilà, voilà. Regardez, un gros doigt du capital. Et fier en plus. Mais appelez la police, je sais pas. Mais Castaner, il nous a oublié. Habitué à beaucoup mieux que ça quand même. Les aéroports ont rouvert aussi. Vous pouvez vous agglutiner dans les avions, dans les centres commerciaux, mais pas dans les manifs. Voilà des saltimbanques. Plus de banques, moins de saltimbanques. Plus de banques, moins de saltimbanques. Oh, ça va les beatniks, mais rentrez chez vous les blouses blanches. C'est bon, vous avez déjà assez applaudi, quoi. Maintenant, applaudissons la police. Applaudissez la police. Et rendez-vous en fin de manif. Rendez-vous en fin de manif, on va vous faire des petits George Floyd. Les malades sont des clients. Il faut faire comme aux États-Unis. Il faut s'en mettre plein les couilles. Cette pandémie, c'est une opportunité de business. C'est la possibilité aux entreprises pharmaceutiques de se faire des couilles en or. Mais oui, bravo, disons-le, voilà. Ça c'est un discours de vérité. Et même, les cocos, ils sont avec nous. Et le vaccin, on va vous le vendre très très cher. Voilà, mais là ce qui est très inquiétant, c'est qu'il y a un nouveau virus, beaucoup plus dangereux que la pandémie. C'est le virus de la révolte. Et celui-là, eh bien, est de retour en France. C'est une véritable pandémie. Heureusement, grâce à ce virus, eh bien, nous avons un vaccin, hein. Il s'appelle la DT Police, hein, avec son agent très efficace, le taser, sans oublier le flashball. Le flashball. Allez, ouais. Où ça caillasse, dis donc. McDonald's. Saint-McDonald's. Saint-Malbouffe. Oh, c'est scandaleux. C'est scandaleux. On fait rien de mal. Ils viennent protéger le Saint-McDonald's et on va leur donner raison sur ce coup-là, parce que quand même, un symbole anarchiste sur le McDonald's, c'est quand même scandaleux.
Vous sentez cette petite odeur quand même qui nous rappelle des bons souvenirs. Soir à Dijon, je trouve. Ça picote. Ça me rappelle ma jeunesse de identité. Enfin, ça on va pas le dire, mais bon. Alors, moi, Pape 40, eh bien je pleure. Et ça n'est pas à cause des coups de la police. Certainement pas à cause des gaz lacrymo, mais parce que des saletés d'anarchistes ont lâchement attaqué un McDonald's. Regardez. Est-ce qu'on pense aux familles des vitrines? La police, on va faire une petite prière pour la police. Tous à genoux! Un genou pour faire une petite prière pour la Sainte Police. Lève le doigt du capital. Qui mérite amplement. Voilà. Vous allez répéter après nous comme de fidèles petits moutons que vous êtes. Vous avez l'habitude. C'est parti. Ô toi, Sainte Police. Ô toi, Sainte Police. Qui veille avec tant de bienveillance. Et de douceur sur notre quotidien. Et de douceur sur notre quotidien. Nous te remercions pour ton zèle. Nous te remercions pour ton zèle. La minutie avec laquelle tu nous protèges. La minutie avec laquelle tu nous protèges. Nous apporte la sérénité. Tes services de renseignement généraux. Tes services de renseignement généraux. Nous éloignent de nos mauvaises pensées. Grâce à toi, l'ordre règne et la justice triomphe. Gloire aux hommes et aux femmes en bleu. Vive le fichage ADN et la répression. Vive le fichage ADN et la répression. Vive le contrôle et la sécurité. Vive le contrôle et la sécurité. Amen. Amen. Pèse. Amen. Merci de penser à la Sainte Police. Voilà, bravo à vous. Merci de veiller sur nous. Ça fait plaisir, on se sent, nous les riches, en sécurité. Et on va vous laisser, vous les pauvres, vous faire caillasser. Ça, c'est juste à l'autre droite. Voilà, on n'a pas le droit de se... On n'a pas les rassemblements, non, sauf à Uranus et dans les avions. Voilà, ça c'est le message qu'on aurait envie de vous dire aujourd'hui. On est servi. Allez lâche. C'était l'église de la très simple consommation. Et nous, on va aller boire un petit coup avec le préfet. Voilà. Allez.